الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا رسول الخير والفضل والمجد في كل سطور المجد اسمه مبتدا ولفي معانيه الحسان تأمل سمعت قلبي يقول محمدا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته avec moi c'est ça sera du dialogue on va parler on va échanger falango hornan horna metrenga Il n'y a pas que nous qui vont parler. Hein. Nous, il n'y a pas que nous qui va parler après vous. Il faut aussi parler. On est d'accord? On va échanger. Ça sera une série de questions. Et après, voilà, moi je développe. On est d'accord? Très bien. Qui a une fois entendu cette verset? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Qui a une fois entendu ça? En arabe. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Vous n'avez jamais entendu? T'as une fois entendu? Quelle sourate? Baqara, non. Qamar, non. Al-Hawakum. Hein? La wakon. Ah ah bon. Jariyat. Zariyat. Surat Zariyat. Ça veut dire quoi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ça veut dire quoi? Une autre personne. Les mamans. Mais wa. Kondam ke ayamuku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anna mamuku ko na wurentu o meta mana nda wure a wure banta ko te wure korna metringa korna metringa wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liyabudun alla ma bun adama hala ma mere jinna taga hos khanne ma magan tatina alla bane bat très bien en français mais Oui, il veut parler là, oui. Attends, attends, il arrive là. Allah, il a dit, je n'ai créé l'homme et djinn qui m'adore seulement. Pour qu'il m'adore. Oui, qu'il m'adore. Très bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudu » jinna do hadem reme iki alla imi taga khanni su kamma gandati niki alla butu falle bal inta jadi il a créé les djinns ils sont dans un monde invisible qu'on ne voit pas et nous les êtres humains uniquement pour son adoration adorer Allah tabaraka wa ta'ala ça veut dire quoi tout ça ça veut dire que tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est une adoration. Tous les mouvements, tous les gestes, tous les faits, c'est une adoration. Maintenant, ça dépend de quoi? Ça dépend de quoi, là? Ça dépend de quoi? Nos actes, nos dires, etc. Ça dépend de quoi? Personne? Hein? Dieu a dit, il nous a créé pour son adoration, on est d'accord? Donc tout ce que nous faisons maintenant, c'est une adoration.
tout ne fait ses gestes, tout n'est dur, nos mouvements, le déplacement, dormir, manger, boire, tout ça c'est une adoration. Maintenant, tout ça, ça dépend de quoi maintenant? Pour que ce soit une bonne action, une adoration. Oui? Non. Oui? L'intention. Allati il jinna ado hadim remme imi taga khanne su kam gantati ina alla bane bot falle kemre keta silami suna khawna famu nanti fofo swanga de berne ke brie no nga to yan beti anga saka nga khin khina to yan beti anga yigeni anga minni to yan beti anga fofo su de ber digame swanga kuna to yan beti kemre keta fumbe ganyana andanga bitiye bi aga sebitini andanga barajin ya kitina andanga nganni an nganni yama serebe nganni ngana siro masalan serebe nganya anga yigenya an kengere simata nanti nigena ta kudun nanjin ko ni nokon faga an bitiye bere an bitiye golle bere walakin an yigenya kudu an sembe kita angra wa allam batu sigindi khare ngam ko kebe ilan kimbre ke yigandi bi anga deberni barajiya hawla kin waqti yuguni o waqa ku kamanyai o kun ko ga nat filma non on tira ga fi yimme kana yu ku fa gni fi khor khoro nyo o maha breke no souvent on calcule même pas ces petites choses pour nous ce n'est rien on calcule pas ouais, manger comment ça se fait manger j'ai gagné hasanat ah j'adore j'ai gagné hasanat bien sûr tu gagnes hasanat et l'islam de ne pas dormir la nuit vous savez c'est un péché de faire exprès de ne pas dormir la nuit eh oui ou bien de retarder toi tu dors jusqu'à quelle heure 4 heures du matin pourquoi ah, c'est sur la télé le téléphone et après tu dors l'heure des fajr, tu ne peux pas te réveiller, ça c'est sûr ça. Même si on met 10 réveils, tu ne peux pas te réveiller. Donc ça, c'est un péché. Il faut dormir tôt pour se réveiller à l'heure de fajr, pour prier. Alors, tu prends l'intention, je dors tôt pour que je puisse me réveiller à l'heure de fajr. Là, du moment que tu as commencé à dormir, tu gagnes des hasanats jusqu'à ton réveil. Jusqu'à ton réveil. Alors, pour gagner les paradis, en fait, ça ne demande pas grand-chose. Il faut être un bon musulman et baser tous tes actes sur une bonne intention. Une bonne intention. Donc, tout ce que nous faisons ici, ça s'appelle adoration. Un jour, le prophète Ali, salatu wassalam, il était avec Mu'adh ibn Jabal, un grand compagnon. Notre frère a touché tout à l'heure, les droits des enfants sur les parents, les droits des parents sur les enfants. On va aller au-delà de ça. Est-ce que vous savez, oui? Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si t'es un musulman et voilà, un bon musulman et voilà. D'accord? Même, regarde, les savants disent que avant de dormir, tu as mis l'intention, c'est-à-dire tu te dis, ah, je vais essayer de me réveiller à 2h du matin pour prier des raka'a, ou 4, ou 6, ou 8, ou plus. Et tu n'arrives pas à te réveiller. C'est comme si tu as prié ces 2 raka'a ou 4. Même si tu n'arrives pas à te réveiller. Ton réveil a sonné, mais tu n'arrives pas à te réveiller. Mais quand même, avant de dormir, tu as pris l'intention que oui, je vais me réveiller à 2h du matin. Mais 2h du matin est passé. Donc, tu gagnes le nombre de raka que tu as mis l'intention que tu vas le prier. Voyez l'islam. C'est tellement facile. Mais on est quoi? On est distrait par le monde actuel, les réseaux sociaux. Les amis nous influencent sur d'autres choses. Ils nous oublient sur l'essentiel. Le prophète, il était avec ses grands compagnons, qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal. Le prophète a dit, Mu'adh,
Est-ce que tu connais les droits d'Allah sur ses serviteurs? Mu'adh a dit non. Alors, ça, c'est un. En fait, c'est l'un des qualités des compagnons. Même si les prophètes leur posent une question, ils connaissent la réponse, ils ne donnent pas. Ils veulent que les prophètes donnent la réponse et ajoutent. Eh oui! C'est pour cela même, même les savants, ils nous conseillent, nous les élèves, ils disent que si un savant, tu sais très bien que lui, il est plus savant que toi, il te pose une question, il ne faut pas répondre. Réponds pas. Tu dis non. Même si tu connais, hein, tu dis non, je ne sais pas. Tu l'écoutes. Il va répondre. Peut-être il va dire une version que toi, tu ignores cette version. Vous avez compris? Le prophète, alayhi salatu wasalam, il a demandé Mu'adh. Mu'adh a dit non, je ne sais pas. Allah et son messager connaît. Il a dit, ok, est-ce que tu sais les droits des serviteurs sur Allah? Ah ouais, on a les droits sur Allah? Est-ce que nous, on a les droits sur Allah? Qui dit oui? On n'a pas de droits sur Allah. C'est grave ça. Si, on a des droits sur Allah. Allah a des droits sur nous, et nous aussi, on a des droits sur Allah. C'est le prophète qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va chercher, c'est quoi les droits d'Allah sur nous? Qui peut répondre? On va parler. Naïle katsoni kengu fonda hana yubi maga. Oti, hadimrim me, gulle su anga diberni, atro yan petye. Hara anga saka anga khenkene bana, bitiyan. Anga yigene, bitiyan. Ibegi nanya anga yigene na jing, anfa yigene amene kudo na bugume na jingo na. Anke kalle dro fete petit hier. Kha ibeg na jagrati nke ige na kudo na sembe ngita ngra Allah mbat de bar mo ko kebe anka len fayen beti. Ibeg na ya wuro no khonga anke dren khene. Anu wuro mo manya na nyaw nyama 4 di mata anke na daga na soho. Anke na soho Allah ta gili fejri nga. Anke wu ya nyaw be anke de bere junu bonyen. Amma il fofu sukamma. Anyi telefayni ya, anyi WhatsApp nya kamma, anyi maslan kin tambana. Kaibe nga nanya kita ang nati ang gemu le nan sofene kudo nakat nangir fejir nga kati nga anam magim fi gilni brambi angir khen ko ke jopa mangangiri baraji nga sifena nkin na baraji nga sifena na iyan kuni fi nga yi onti jati le gana ka walakin baraji mpo khor khor yin oga kita di bati baraji mpo khor yin oga kita le mena nitrindin na debra har sribe gana koma eska hana Un brésilien qui t'a bien sûr, bien sûr. Un musulman, alors comment? Salouat une bénie à gagner, respecter, à gagner salut. Quand salouat est soukouné à l'issou, n'a fait la salut non. Quand faring a allé salut au salut, a dit c'est un nom longa. Ati, c'est rien que na nyanga Allah ngolun kama. Masala angte le wajum denteringa, angte le haral le kenga ila akhirih. Fuma mbanta mahaji, wala katerende yanda mbanta. Wakati pe ya programme denga na mana angte le kenga lambate de berila akhirih. Haranga mataga. Angal lambat tiga beraja yang hak yang sebenar tak. Harang ada keterangan dia mangga saja. Angga nak haji mangga kiri. Ilang kembali. Allah Farid Sallallahu Alaihi Wasallam ado sahaba khur khur ini dua meja tuan dengan Mu'adh Mu'adh bin Jabal. Farid Mu'adh dengati ya Mu'adh eskang ngatua Allah hak bega ikumukam. Mu'adh atai. Allah di fare nyana kentu or ko nanti saiban nunga jikuni maka jikube tuwa humure jikungen ido fare nga itume sallallahu alayhi wa sallam fare nga retirni kebe ari ga tuwa itna ya indetu kudo fare ni jiri tuwa koi kenya no kharamu kono gana yo kharamu nini kenya kumo danga nanta ando siregina me gemma lama kwa ankharamu kwa kede wala kangutu nanta yonfu nga tuwa koi agina retirni masa alay anati ya indetu atua ko adangin kay haranga tuwa da natin tatu kudo ken kharam mo hona jabi alailan jidin tuwa ko kat ma kha ankinga jabu ke to kille be ya akinna kille tanariti kinna ke fan kadam tuwa ko ila kembe keda oti alla haqin ko mon kam ma ko mo haqin alla kam wata tinne be ga no sasa alla kan haqin ko mon kam
Quel est le droit d'Allah sur nous, sur ses serviteurs? Qui peut répondre? Oui? Ça le voit à tout le monde? Non. Faut cadrer. T'as juste centré la balle, mais t'as pas cadré. Oui? Hein? Très bien. Les droits d'Allah sur nous, les serviteurs, c'est adorer Allah, pas seulement adorer Allah uniquement. Il y en a qui adorent Allah, mais qui adorent Allah avec autre chose. Mais les droits d'Allah sur nous, c'est adorer Allah uniquement, sans l'associer. C'est ça les droits d'Allah sur nous. Et maintenant, on est là sur terre pour accomplir ces droits. Et maintenant, si on l'accomplit, ces droits, si on l'accomplit, et à partir de là, on peut chercher notre droit sur Allah. Si on ne l'accomplit pas, il ne faut même pas chercher. C'est pour ça qu'il n'y a pas un péché qui te conduit direct à l'enfer, si ce n'est l'association. Allah peut pardonner tous les péchés hein, après la mort. Il peut tout pardonner, sauf l'association. Si un individu meurt dans l'association, c'est foutu pour lui. On s'est dit qu'il a dit clairement dans le Coran. C'est foutu. C'est même pas un hadith, comme maintenant il y a des groupes de gens qui disent « Ouais, c'est un hadith, nous on ne croit pas les hadiths. » Mais ça, c'est Coran. Oui. Tu meurs dans l'association, c'est foutu. Subhanallah. Et les jeunes, attention. Parce que l'association a des catégories, à des degrés. Il y a ce qu'on appelle association majeure et il y a ce qu'on appelle association mineure. Les deux, il faut s'abstenir. Il faut s'abstenir. Les savants disent que l'association majeure te fait sortir direct de l'islam. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'association mineure ne te fait pas sortir de l'islam, mais tu gagnes. Non. Tu récoltes des péchés. Par exemple, qui peut me donner un exemple? On va parler, hein, c'est des dialogues. Qui peut donner un exemple sur association mineure, association majeure, une association majeure? Hein? La faute à la signe. D'autres personnes. Toi, tu as déjà répondu tout à l'heure. Toi, tu as un grand mot déjà. On dit, fil le capi, non, il y en a d'un. Attendez, tu as un filo. Fil le capi, il y en a d'un. Fil le capi, tout le monde. Concata, fil le capi, il y en a d'un. Oui. Hein? Kenyal sirki kemene? Na fobatu kefin Allah kenya tokone shirku al akbar na khursin den lebe fotana dakko nandega bulle bulu nandega tappe wutu nanji kilo ke gamma awreni anga al an sallinta kanji ken fotana ya anji ken ta Allah ibega na karakin kamma annati an kar khafun kamma associé pour autre chose à Allah, ça s'appelle Ash-Shirk al-Akbar, c'est-à-dire l'association majeure. Et maintenant, l'association majeure n'est pas divisée en séances, là. Mais l'association mineure, elle est divisée en branches. L'association mineure est divisée en combien? Qui peut répondre? Ah, là, il y a stop, là. Il y a fait rouge. On va gagner du temps. L'association mineure est divisée en deux. Il y a ce qu'on appelle apparent et caché. Alors, on recommence. L'association est divisée en deux. Association majeure et association mineure. On va laisser l'association majeure parce qu'elle n'est pas divisée. Association majeure, c'est adorer autre chose avec Allah. L'affaire est classée. Maintenant, association mineure, elle est divisée en deux. Il y a une association qui est apparente et il y a une association qui est cachée. Vous avez compris? Et association cachée,
comme vous avez entendu déjà, c'est quelque chose qui cache. Par exemple, une personne qui lit le Coran, par exemple, je prends l'exemple sur moi. je lis le Coran tous les jours, par exemple. Je lis comme ça. Quand je vois Baraji, il vient, je dis Tabat yada abi lahabin wa tab. Vous avez compris? Donc, j'ai embelli ma voix parce qu'il y a une personne qui me voit, qui me regarde. Donc, ça, c'est une association. Ça s'appelle association cassée. C'est quelque chose que lui, il ne sait pas. Pour lui, il est venu. Pour lui, je suis toujours comme ça, alors que c'est faux. Quand je suis tout seul, j'ai fait n'importe quoi, mais quand il y a des gens. Et un autre exemple. Quand j'ai pris. Allahu Akbar, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamu alaikum. Mais quand il y a un papa ou maman, j'ai fait bien la prière. Allahu Akbar. Ça, c'est une association. Il faut faire attention. Oui? Donc ça s'appelle association cachée. C'est quelque chose qui te cache dans ton cœur. Personne ne sait. C'est entre toi et Dieu. Mais ça arrive au Rima. Bien sûr. Ah, bien sûr. C'est quelque chose qui est fréquent déjà. Maintenant, l'autre, ça s'appelle association apparent. Maintenant, association apparent, elle aussi, elle est divisée en deux. Oui. Elle aussi, elle est divisée en deux. Il y a les dires. Hein? Par exemple, c'est lui qui jure sur autre chose qui n'est pas Allah. D'accord? Et il y a l'acte. C'est lui qui porte les talismans. Vous connaissez les talismans? Tabouku Benu, voilà. Ça s'appelle comment? Main de Fatima, c'est ça? La main de Fatima, ça sera quoi? À nous protéger? Ou c'est simplement joli? Les talismans, c'est haram. Selon la Surah, il y a Tabouku Benu, voilà. Voilà. Porte-bonheur, naoutou, narantanga, voilà, narankitanga. Ça s'appelle association. Mais acte. Voilà. Vous voyez? Donc, on vient de faire le parcours d'une association. Association est divisée en deux, comme on a vu. On a grand, on a le petit. Les grands, en fait, est classé, le petit est divisé en deux. C'est bon? Le petit est divisé en deux. Il y a ce qu'on appelle association apparent et association cachée. Cassée, on a dit, c'est elle aussi, elle est affaire classée. Et il y a apparent. Apparent maintenant, c'est les dires, les paroles et les actes. Oui? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, adorez-moi uniquement, même quand vous jurez, il faut jurer sur Allah. On ne jure pas sur autre chose. Et il y en a qui jurent sur le Coran. Par le Coran. Qui t'a dit de jurer par le Coran? Ou bien, subhanallah, souvent nos parents, ils jurent sur les tombes de ses parents. Ma khabura kiradi. Ma fure galagar. Koutanna annan kouletam ma fure. Fil kapi yani. Sur la tête de ma mère. Ah ouais. Hein? Tout ça, il faut s'abstenir les jeunes. Il faut faire attention. Et on peut demander pardon tout de suite, Allah nous pardonne. Et recommencer le compteur à zéro. Et contrôler notre langage. C'est très très important. Et maintenant, Allah dit, adorez-moi uniquement et faut pas associer autre chose à vous. Et si vous faites ça, la porte est grande ouverte. Vous venez, vous demandez vos droits. Et c'est obligé, je vous donne. C'est obligatoire. C'est quoi? Ben, c'est quoi notre droit sur Allah? Allez, qui peut répondre? Notre droit sur Allah, si on n'associe pas, oui? Aïe, au coup, haqqé bega Allah kam. Très bien. Donc, Allah sera obligé, hein, obligé de nous faire entrer au paradis. Obligatoire. C'est ça notre droit sur Allah.
Mais d'abord, la balle est dans notre camp. C'est nous qui devons commencer. Vous avez compris? Donc, il faut vraiment faire attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en aide. Alors, on a vu notre droit sur Allah, les droits d'Allah sur nous, et ça sera la même chose. Nous, entre nous, chacun d'entre nous, moi, j'ai des droits sur vous, tout le monde. Qu'est-ce que c'est là? Et vous avez droit sur moi. Hein? Vous savez, mes droits sur vous, c'est quoi? C'est de m'écouter attentivement. Celui qui ne m'écoute pas, il ne m'a pas donné mon droit. Et vous savez, vos droits sur moi, c'est quoi? C'est de ne pas mentir. Tout ce que j'ai dit, ça doit être vrai. Validé par les Corans et Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, Dieu va me punir. Parce que je vous ai donné des fausses informations qui n'ont pas basé sur les Corans et sur les Hadiths. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Chacun d'entre nous, moi j'ai le droit sur vous, lui il a le droit sur moi, j'ai le droit sur lui, tu as le droit sur lui, etc. etc. Ce qu'on sort ici, c'est ce qu'on se sépare. À la maison, vous avez le droit, chacun a droit sur l'autre. Parents, enfants, frères, sœurs, frères, sœurs. En dehors, quand vous sortez, même la rue a des droits sur vous. Oui. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'en tant que musulman, tu dois vraiment faire attention à chaque seconde. Chaque seconde. Tic-tac, tic-tac. Comme les noms de TikTok donnent. Vous savez, le nom de TikTok, ça vient d'où? Hein? Every second count, c'est en anglais. Every second count. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque seconde compte. À la base, c'était ça. Ils mettaient des petites vidéos. Hein? Vidéo de quoi? Une minute. C'est maintenant, on peut mettre 10 minutes, mais avant, tu ne peux pas mettre 10 minutes. Hein. Donc, chaque seconde compte. Voilà. Tu regardes chaque seconde, etc. Donc, vous savez, tic-tac. Bah, quand vous regardez les montres, par exemple, ça fait quoi? Tic-tac, tic-tac. Donc, le nom est venu tic-tac. En tant que toi, un jeune musulman, musulmane, une jeune musulmane, tu dois faire vraiment attention. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes et tout ce que tu dis. Vous savez, les savants nous disent chaque fois. Hein. Dieu nous dit dans le Coran, les jours du jugement dernier, ce qui va se passer, vous savez c'est quoi? Ouais, on a l'habitude. Non, c'est même pas l'habitude, c'est obligatoire. On parle avec la bouche, on est d'accord. Hmm? Imagine, tu es en tribunal. Après, on t'a dit, tu parles pas, hein, mais exprime. Il faut qu'on entende. C'est ta main qui a volé? Oui. Il faut que ta main nous dise qu'est-ce qu'il a volé. Comment la main veut dire? C'est quelque chose qui n'a pas de sens. On te juge, on te dit non, parle pas avec ta bouche. Il faut que c'est ta main qui doit témoigner. Et le jour du jugement dernier, c'est ce qui va se passer. Dieu va sceller la bouche. Et c'est les mains, tous les membres qui vont parler ce jour-là. Les mains, les pieds, etc. Tout ce que la main a fait, il va dire ce jour-là. Et tu vas être choqué. Hein? Qu'est-ce que je te fais? J'ai gardé le silence, pourquoi toi tu ne gardes pas le silence? Mais non, il n'a pas le choix ce jour-là. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir avec qui vous fréquentez. L'endroit, la personne et le moment. Quand est-ce que tu dois sortir? Et quand est-ce que tu ne dois pas sortir? Si vous ne calculez pas ça, l'épée de vie que vous avez, ça va aller en poubelle. Eh oui. Combien de gens, ils sont rentrés en prison à l'âge de 15 ans, ils ont sorti à l'âge de 30 ans. Ils ont perdu combien d'années? 15 ans.
pas de vie sociale, pas de vie familiale, pas d'amical, rien du tout. Et quand il sort, subhanallah, quand vous écoutez certains témoignages, ils veulent retourner en prison parce que c'est leur vie là-bas maintenant. Tellement ils sont habitués là-bas, ils se sentent à l'aise en prison que dehors. Vous voyez comment ils sont devenus? Alors, liberté, c'est quoi? C'est sortir, c'est voir l'air frais. Mais tout ça parce que on n'a pas pris le compte de nos actes. On a des droits, chacun a des droits sur chacun. Nos parents, ils ont le droit sur nous et nous, on a le droit sur nos parents. Notre frère, il a parlé les droits des enfants sur les parents. Là, j'ai un autre hadith que je vais clôturer tout à l'heure avec ça. Il y avait trois personnes, comme le prophète a dit à l'époque. Ces trois personnes, ils marchaient jusqu'à ce que la nuit est tombée. Ils sont rentrés dans une grotte pour passer du temps. Et il y a un rocher qui est venu bloquer le passage. Ils n'arrivent pas à sortir. Trois personnes, mais ils n'arrivent pas à faire bouger le rocher. Et maintenant, entre eux, les trois, ils ont dit, Allah, c'est mort là, on ne peut pas sortir. Et il n'y a pas de secours. Il n'y a personne dehors qui peut venir nous secourir. Attention, mais il y a une chose. Que chacun d'entre nous évoque Allah avec une bonne action que tu as fait entre toi et Allah. Tu as fait pour Allah. Tu as craint la crainte que tu as eue qui est pour Allah. Pas pour avoir des noms, pour des buzz, etc. Que chacun d'entre nous évoque un acte qu'il a fait entre lui et Allah uniquement. Il y a une personne qui a dit, alors moi, un jour, j'avais des animaux, j'ai l'habitude de porter du lait à mes parents, chaque jour. Mais cette fois-ci, je suis allé récupérer mes animaux loin. En retour, j'ai trouvé que mes parents sont dormis. Et là, la personne a fait quoi? Il avait le bol à la main, rempli de lait. Il a trouvé ses deux parents en train de dormir. Il est resté debout jusqu'à l'aube. Il n'a pas voulu réveiller ses parents. Et attention, il y avait sa famille, hein? Il y avait sa femme, ses enfants, qui réclament lait. Il dit non. Mes parents d'abord, après, ça sera vous. Mais ton père est dehors, ta mère est dehors. Oui, je sais. Ils vont se réveiller. Mais réveillez-les. Non, je les attends. Il est resté debout. Il n'a pas déposé le bol pour aller faire retour, hein, aller retour pour venir. Non, il est resté là, debout, jusqu'à le réveil de ses parents. Billahi alaykoum. Entre nous, le couple, on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que nos parents, là, ils font ça avec nos grands-parents? Est-ce que nous, on peut faire ça avec nos parents? Déjà, tu utilises le téléphone de ta mère, tu sais que ta mère, elle dort. Téléphone sonne. Maman, ton téléphone sonne. Alors, maman, elle dort. C'est là que ça commence, hein? Ce sera la même chose. Ben, tu mets silence, tu dis, oui, c'est qui? Ah non, maman, elle dort. Tu peux la réveiller? Non. Tu peux l'appeler plus tard? Parce que là, elle dort. C'est ça que tu devais faire. C'est pas toi de réveiller ta mère ou ton père. Mais ce qui est surtout nos parents, nos papas, se réveillent 4h30 pour aller travailler. Ils reviennent 16h. Ils ont besoin de dormir entre 16h et Foutro. Et maintenant, vous jouez à la télé, vous dansez, vous criez. Et quand sa femme sort, une simple sortie pour aller au magasin, il est obligé de réveiller son mari. Je vais aller au Carrefour. Pourquoi tu me réveilles pour aller au Carrefour?
Je suis fatigué là. Et cet homme, il est resté debout jusqu'à l'aube. Alors il a dit, ça, Allah, si j'avais fait cette action, qui pour avoir ta bénédiction et ton pardon, libère-nous de ce rocher. Et le rocher s'est déplacé un peu. Mais ça ne leur permet pas de sortir. Et maintenant, deuxième personne a dit, alors moi, j'avais une cousine que je l'aimais trop. Alors, je lui faisais des propositions malhonnêtes. Vous comprenez? Je les cherchais. Mais à chaque fois, elle refusait, elle ne voulait pas. Je n'ai toujours pas senti, mais j'ai cherché chaque jour. Et à un moment donné, un jour, elle est venue me voir. Elle a besoin de l'argent. Elle a besoin de 125 dirhams. 120 dirhams, équivalent 35 euros. Elle a dit, cousin, tu peux me donner 35 euros? Son cousin a dit quoi? Non. Jusqu'à ce que je te demande, tu me donnes, après moi, je te donne l'argent. Et subhanallah, on va faire un appui ici, hein. Un appui fort sur les parents. Vous savez, Sarano, qui est le 34e. Romain Ragna Mara, les gens ne l'ont pas intégré. 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 Les Andikiten sarayagare maga anatan kat sarayigo ma sarayigo ke khant jati legal yimme alli nyaxare be go khora ki ma sino tamro siko sino tamro na goto angon nanta kite lo jinge keta anga tan nga diero anga tan nga vero atlaro haju a haju be ga fosro ni nama ke sor ko no ko danga dembaba lagano datanga o xaral le mayo na fa ga pari ati ya gal li ngi daga histoire ke la ko no xusu nti ngi histoire ke ko na xintan to xon ko afaba yu go be ger sara ati ntum le daga gem yema lew hari ga war ya ke ngani dul mo sere ati woto nyani ma ga ifab ga na di woto no ga na bu ga jini selena ntum la haraga ro ni woto no bawni adira ga ko har serenti imuke mayante legal ko har wakante wande nga xanda tagal ko ati famum dama diiro ki ne diiro ike hari ya haru haju be ne gene ya e haju nga khalisi imant golini itan katta yayi ay khaladi de may musanga alhamdulillah khayr ekol ki ngara iga 17 ans ekol ngara parce que yi rand il fere ñay gatal golña kataga ki 18 ans añu golña du wande toxo ñay parce que ngam ki 18 ans la du golli ku do ak raw saqiri mu saqani mbat bat ati mi ga 18 ans ki ta il y permis passé il y appartement mouru il ga tuté le i kawo ni di tabul ta ay atel ati li mu ko ko kawo ni to ndaga oy man ta tous yi man ke fay ti do ndaga tous lamunu li ñaxaru mi nak ñe waxati ya saranu ala haql tukhi kem palle irawtil sanga kudo ini haju gir ewa ken na nyasu a responsable ta xunu ko kam anken sar siga ta anken sar be gna ki tran ko tek nga katal lu mu Allah ganna tanga cette fille a dit j'ai pas de choix vas-y on y va. Elle s'est donnée. Jusqu'à ce que l'homme
Et entre la femme a dit quoi? Ittaqillah. Crains Allah. Et ces mots, pas seulement il a entendu, son cousin il a entendu, mais le mot est percé jusqu'à son cœur. Ittaqillah. Personne ne nous voit, mais Allah nous voit. Et Allah sait que moi, je n'ai pas le choix. La seule porte qui me laisse, qui est ouverte devant moi, c'est ça, pour avoir l'argent. Mais toi, ittaqillah, crains Allah. Et subhanallah, le cousin, il a dit, vas-y, va-t'en, vas-y. Tiens l'argent, vas-y, 120 dirhams, 35 euros, je te donne. Et ce garçon a dit, cet homme a dit, Allah, cet acte que j'ai fait, si seulement j'ai fait pour ton visage, pour avoir ton pardon, libère-nous de ces rochers. Et les rochers s'est déplacé encore. Mais ça ne leur permet pas encore de sortir. Il reste maintenant troisième personne. Ils ont dit, allez, c'est ton tour. Évoque Allah avec une bonne acte que tu as fait. Tu sais vraiment, cet acte c'est immense que tu as fait qui est entre toi et Allah. Il a dit, moi, j'avais engagé des hommes pour des travaux. Alors, ils étaient combien? J'ai payé tout le monde, hein, sauf une seule personne. Lui, il est parti, il a laissé son salaire avec moi. Et son salaire, j'ai gardé. C'est pas moi, c'est pour lui. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Je n'ai pas son numéro, je n'ai pas son adresse, je ne connais personne qui le connaît. Et maintenant, son argent est là, son salaire est là, mais j'ai investi avec son salaire. J'ai utilisé son salaire pour acheter des chameaux, des vaches, etc. Pour les garder. Subhanallah, le salaire qui était quoi, 500 euros ou 1000 euros est devenu 10 000 euros. Il a acheté des vaches, quelques vaches, quelques chameaux, quelques moutons, et ces animaux sont multipliés, multipliés, multipliés. Quand l'homme est revenu pour réclamer son salaire, il a dit, Abdallah, il est où mon salaire? Tu m'as fait travailler, mais tu ne m'as pas payé. Non, c'est pas, je ne t'ai pas payé. Tu es parti. Mais ton salaire est là. Vas-y, donne. Là, tu viens, je te montre. Tu vois, tous ces chameaux, tous ces vaches, tous ces moutons, tous ces chèvres sont pour toi. Là, tu te moques de moi. Non, je ne me moque pas de toi. C'est vrai. Comment ça se fait? Ben, tu vois, ton salaire, j'ai utilisé. Je ne vais pas garder comme ça. Je sais que peut-être tu ne vas pas venir maintenant. Mais j'ai gardé quand même. J'ai acheté quelques vaches, quelques moutons. C'est les moutons et les vaches qui se sont multipliés jusqu'à cet nombre. Et le mec a ramassé tous ses troupeaux. Il est parti avec. Et cet homme a évoqué Allah pour cet acte qu'il a fait. Il a dit, Allah, je n'ai pas mangé un centime de son salaire. Et j'ai investi son argent que pour que Allah, toi, tu puisses être satisfait de moi. Pour que tu me pardonnes. Si j'avais fait cet acte que pour toi, Allah, libère-nous de cette prison. Et subhanallah, le rocher s'est déplacé complètement. Et la voie était libre. Ils se sont sortis. Ça veut dire quoi tout ça? Conclusion, quand tu fais une chose, il faut faire avec ikhlas, avec le cœur, uniquement entre toi et Allah. Tu t'en fous les autres, les félicitations, les remerciements, tu t'en fous. Vous voyez les khramours qui sont venus là, ils ne vous connaissent même pas. Vous croyez qu'ils sont là pour vous? Ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux-mêmes. « Man amila salihan fali nafsihi » Celui qui fait une bonne acte, il l'a fait pour lui. Hein. Et celui qui refuse, qui fait mauvais acte, ben il a fait ses mauvais actes sur lui. La conséquence, c'est toi qui vas subir, c'est pas nous. Quand tu fais quelque chose,
il faut faire avec cœur pur, avec Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et ça montre que nous aussi, on peut invoquer Allah avec nos actes. Si on se trouve dans une difficulté, par exemple, on passe un permis, on passe un examen, bac, etc., etc., tout ce que tu veux dans une difficulté, tu peux demander à Allah avec tes actes. C'est la preuve qu'il nous montre. Qu'Allah nous vienne en aide. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah accepte nos actes. Allahumma rabbana atina fil dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نواري شباب درمان كنا ولدا نواري يو كيسيو سيكي les enfants vous êtes là